Que ce soit pour un long séjour ou une courte escapade, la région du Bas-Saint-Laurent vous offre plusieurs attraits, notamment pour les sportifs, entre autres les sentiers de vélo qui sont des incontournables dans la région. Et Karine, quels sont les principaux secteurs où on peut pratiquer cette discipline? Dans le fond, on vous propose 6 circuits, dont un dans le Kamouraska, donc c'est 2 boucles, une vers la Pocatière et une vers Rivière-du-Loup. Vous avez également la piste cyclable Petit Émis, qui est 134 km de long, oui, qui part de Rivière-du-Loup jusqu'à Edmondson, au Nouveau-Brunswick. On peut arrêter à DJ, hein? Et vous avez également des sentiers sur l'île Verte. Donc, si ça vous tente de découvrir une île paradisiaque, on le sait, l'île Verte peut répondre à vos besoins également. Et pour les athlètes aguerris, on peut également aller faire un petit tour du côté de Rimouski. Effectivement, Rimouski, pour ceux qui ont du bon mollet, on part de Rimouski et on va vers Saint-Valérien. Donc, c'est un peu plus coteux. Toujours le beau paysage maritime qu'on a aussi. Et pour plus d'informations, rendez-vous au bassaint-laurent.ca dans la section vélo.